Salut à tous et à toutes, c'est Oreska et on se retrouve pour une nouvelle série sur Duel of Champions. Donc en fait c'est un jeu de cartes. Donc en fait la vidéo va sortir normalement avant une vidéo qui va expliquer la chaîne. Du coup en fait si vous voulez c'est une série qui va se terminer celle-là. Elle va durer 5 épisodes, 5 premiers épisodes. Quand j'aurai fait les 5 épisodes, donc l'épisode 5 sera l'épisode final. Si j'ai envie de continuer, si vous avez envie que je continue, je referai une série de 5 épisodes. Si vous me dites rien et moi j'ai envie de continuer, je referai une série de 5 épisodes. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu mon deck. Donc alors, moi, j'ai un deck avec les oiseaux. Un deck. Je sais pas comment on appelle ça. Alors normalement j'ai plusieurs héros, non même pas. Oui là j'ai un deuxième deck. On va modifier. Il est là, voilà, donc c'est mon deuxième deck. Mais moi je préfère prendre déjà mon premier deck, voilà. Alors on va faire la campagne. Donc, on va commencer par celui-là. Voilà, on va commencer. On va faire celui-là. On va faire d'abord ce qu'on a, même si j'ai déjà fait avec cet héros-là, c'est pas grave. Alors, ici, on peut choisir le deck. Va prendre le deck que j'ai au départ. Donc c'est parti. Ouais, c'est bon, cette main elle me va bien. Donc on va commencer par augmenter la force. Et c'est bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va invoquer sûrement des monstres, lui, je crois. Ah non, même pas. On va augmenter la force. On va invoquer un gars comme ça. Et on va finir notre tour. Donc là, à mon avis, il va invoquer des monstres hein, quand même. Ouais, donc il va l'invoquer. Ouais, c'est ça. En fait, il essaie de me bloquer. Alors. Hop. Ça, c'est pas très bon, mais bon. Il va pouvoir m'attaquer, mais moi, s'il ne met pas un monstre devant moi, je vais pouvoir le toucher. Ah, il va en mettre un devant. Et ouais. Et il va en mettre encore un. Ouais, là, c'est pas très. On va plutôt mettre celui-là ici. Lui, on va l'attaquer. On va finir notre tour. Parce que là, j'ai pas mis devant la pomme Piranha parce que là, elle a 0 en attaque. Donc, en fait, je vous explique. Le cercle qui est tout en haut et marqué 0, c'est l'attaque. Le triangle avec 2, c'est ce qu'il va renvoyer. Et 3, c'est la vie. Alors, avec 5. Donc là, il risque de tuer cette dame là, mon archère. Ouais, alors. Avec 6 points, on va déjà mettre lui.
On va mettre cette carte. Alors là, on va attaquer lui. Hop, donc là c'est pas mal. Là on a bien joué. Donc là on va augmenter ça. On va finir notre tour. Alors là, que des sorts, donc on va augmenter ça. Hop. Voilà, au prochain tour, normalement, on devrait réussir à le... À le tuer. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, on va faire comme ça. Hop là, on a gagné. On en est à 7 minutes. Donc là, on a fait celui-là. Va nous falloir un gars avec ce symbole. Donc, Inferno. Donc là, il y a marqué. On va essayer de modifier. Héros. Ok, on va faire terminer. C'est marqué où qu'il y a un héros? Héros, donc c'est marqué en dessous du coup. Non. Bastion. Ok, on va faire l'air. Crois qu'en fait, là, c'est les sorts, là. Ouais.
Ok, donc on va plutôt aller dans la boutique. Donc ça met tout le temps un petit temps à charger, voilà. Bon, je pense qu'on va se quitter là. Donc, c'est des petits épisodes de 10 minutes, comme ça, à peu près. Comme ça, en fait, avec 5 épisodes, ça prend à peu près 1 heure de jeu avec vous. Pour le prochain, je vais essayer de voir comment avoir d'autres héros, parce qu'en fait, le but des campagnes, c'est avec tous les petits symboles qu'il y avait. Je vais vous montrer là. Vous voyez là, par exemple ici, oups, on a fait notre avec notre héros. Il va falloir qu'on fasse avec cet héros, avec les héros de chaque faction qui est là. Du coup, en fait, apparemment, on peut les débloquer, mais moi, j'ai pas trop compris parce que je les ai pas encore. Du coup, je vais voir pour débloquer d'autres, par exemple de la faction Nécropole, tout ça, et pouvoir faire un match, et si on gagne le match, avoir comme la petite flèche qui veut dire qu'on l'a fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez, commentez. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!